Alors, est-ce qu'il est plus facile d'être handicapé et gominé en même temps, d'avoir du fric? C'est tellement évident, la réponse est oui. Parce que ça me permet une certaine indépendance, le matériel coûte cher, il n'est pas toujours remboursé. Je ne parle même pas des matelas médicalisés qui ne sont pas pris en charge. Donc il y a un certain nombre de trucs, si vous n'avez pas de fric, vous avez votre escar. C'est gagné, mais ça ne suffit pas. Il ne faut pas être tout seul. Donc le fric, oui, mais si vous êtes seul avec votre fric, vous l'avez aussi dans le dos. La plus grande richesse de ma vie, c'est le regard de l'autre. Parce que quand vous sortez de 2 ans de réanimation et de rééducation, vous n'êtes pas très costaud. Vous êtes dans le silence. Vous vous retrouvez quand même. Une fois que vous êtes retrouvé, qu'est-ce que vous en faites? Vous ouvrez les yeux, et c'est la première personne qui se penche vers vous, vous avez quelqu'un. Et c'est ce regard de l'autre, cette altérité, qui me donne envie de vivre. Il faut partager. Et pour ça, j'ai besoin de l'aide-soignante qui vient le matin. J'ai besoin qu'elle existe. Pas qu'elle fasse son soin et puis qu'elle se casse. J'ai besoin qu'elle prenne un peu de temps avec moi. Surtout si elle est mignonne, si vous voulez bien. Mon épouse ne dira rien quand je dis ça. Mais j'ai besoin du regard, de l'attention, de l'écoute. Et en même temps, l'aide-soignante qui est stressée, parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, si elle se penche sur moi, elle repart avec vous, elle se sentira mieux par la suite. Donc on a tout à gagner. Vous qui êtes debout, qui me soignez, et moi qui suis couché avec tout mon fric, à s'échanger, à se parler et à communiquer un peu. Le handicap est une richesse. Mais le très grand handicap est encore une très grande richesse. Parce qu'il est tellement déroutant. Même moi qui suis handicapé assez sévère, Aristo du handicap, je trouve qu'il y a des handicapés, mais à l'extrême limite de la survivance. Et quand je suis en face de ces très grands handicapés qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas toujours d'ailleurs ce qui se passe, je les considère, et c'est-à-dire que je m'oublie. Et ce qui va guérir le monde, c'est qu'on s'oublie un peu. C'est un monde qui est basé sur l'égoïsme, le bruit, l'agitation. Devant le très handicap, très grand handicapé, je suis totalement désarmé. Je me décentre. Je fais silence. Et je découvre le chemin de dignité de cette très grande fragilité. Et c'est en faisant ça, en me dégageant de moi-même, en me mettant à la disposition de l'autre, en épousant l'autre, c'est-à-dire en prenant la forme de l'autre, que je sauve le monde. Ça a l'air stupide, mais c'est le secret de la prochaine génération. De se désarmer devant la grande fragilité pour guérir le monde, c'est-à-dire pour changer de regard.